Alors, comme d'habitude, vous allez fermer vos livres et juste écouter, d'accord? Alors, moelleux coulant au chocolat. Moelleux coulant au chocolat. Recette facile pour 12 personnes. Préparation moins de 15 minutes. Cuisson 10 minutes. Utilisation du four. Matériel 12 petits moules à muffins. Ingrédients. Ingrédients. Une tablette et demie de chocolat noir, 250 grammes. 250 grammes de beurre. 8 œufs. 125 grammes de sucre. 75 grammes de farine. Passons maintenant aux étapes. Étape numéro 1. Demande à un adulte de préchauffer le four à 200 degrés. Alors, il faut toujours demander à un adulte, à un grand, de préchauffer, de préparer le four, parce que c'est interdit aux enfants de toucher au four. C'est brûlant. D'accord? À 200 degrés. D'accord? 2. Casse la tablette de chocolat en petits morceaux. Mets-les dans un saladier. Alors, on va mettre les petits morceaux de chocolat dans un saladier. Puis, on va ajouter le beurre. D'accord? Et on va mettre le tout dans le micro-ondes pendant 2 minutes à puissance 425. 3. Dans un saladier, incorpore le mot qui est en rouge, est déjà expliqué là dans le petit dictionnaire. D'accord? Incorpore, ça veut dire mélanger. On va mélanger dans le saladier le sucre, les œufs et la farine. Puis, on va verser dessus le chocolat fondu, bien sûr qu'on a déjà préparé au micro-ondes. On va verser dessus, on va mélanger le tout avec le fouet. 4. Beurre les moules et remplis-les. Alors, on va remplir quoi? Les moules. Aux 3/4, juste aux 3/4. Pourquoi? Pour que la pâte ne déborde pas pendant la cuisson. C'est-à-dire la pâte ne sort pas et ne dépasse pas les bords. D'accord? 5. Demande à un adulte de faire cuire les gâteaux toujours. Il faut demander à un adulte, comme je viens de vous expliquer dans la première consigne. Cuire les gâteaux au four à 200 degrés pendant 5 minutes environ. Alors voilà les étapes à suivre pour réaliser notre gâteau. Si on suit bien toutes ces étapes, d'accord, et en observant, pardon, et en observant les images, d'accord, alors vous allez pouvoir réaliser ce gâteau qui va être sûrement très, très, très délicieux.